Où est-ce que je suis branlé? Hé, hey, vieux, là! Hé, hey, papy Yugi! Qu'est-ce que tu fous là? Tu veux mon bâtonnet, petit? Non! Hein? Oh, 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 petit chenapan. Papy Yugi, tu t'en tires je crois que t'es en ligne, là. Avec... Excusez-moi. Bonjour et bienvenue pour cet épisode aujourd'hui consacré à Yu-Gi-Oh! Et tout d'un coup, je me sens comme un bon coup de vieux, quand même. Non, parce que la série est pas toute jeune, quoi. Ouh, je me sens un peu l'âme d'un pédophile. Enfin, bref... Le jeu est disponible depuis peu sur le PlayStation Store et retrace avec son mode campagne les grandes lignes des 5 arcs que compte aujourd'hui la série, mine de rien, déjà 15 ans. Le pire, c'est que j'adore ça, je ne m'en lasse pas. Oui, exactement, c'est l'heure du duel. Allez, en garde. Ouh, je sens que je vais tout péter, là. D'ailleurs, les viewers, surtout, restez jusqu'à la fin. La fin, la toute fin. Car j'y ai laissé une toute petite surprise. Hommage au travail d'un grand youtubeur. Et je me demande d'ailleurs si vous parviendrez à le reconnaître. Enfin bref, vous verrez ça tout à l'heure. Allez. En attendant, nous, c'est parti. Alors, aujourd'hui, je joue avec un deck Madolch. Magidolch pour les intimes. C'est un archétype que j'affectionne tout particulièrement parce que ces créatures sont mignonnes, adorables, je les kiffe quoi. Et puis en plus, c'est un deck qui est sorti il y a environ 2 ans et que j'ai utilisé pendant longtemps. Et que j'utilise encore d'ailleurs de temps en temps parce que, bah oui, je vous l'avoue les viewers, il m'arrive de jouer à Yu-Gi-Oh! Oui, j'ai un ami qui a une boutique, enfin, je vais pas vous raconter ma vie, mais voilà, j'y joue et en plus, je collectionne. Depuis le début! Enfin bref, j'ai tenté de me construire un deck et j'y suis presque arrivé. J'ai pas tout débloqué, mais bon, j'ai un deck à peu près bien construit. En voici la preuve. Regardez par exemple. Le joueur qui commence au tour 1 ne pioche que 5 cartes. Et je sais pas si vous avez compté, mais là, dans mes mains, j'en compte 4. Enfin maintenant plus 3. Et j'en compte 4 sur le terrain. Ce qui me donne un potentiel de 7 cartes en tout. Ce qui veut dire que j'ai fait un plus 2 en allant chercher d'autres cartes dans mon deck. C'est pas le top ça? Non et puis bon les viewers, il faut bien le dire. Les Magidolch, ils sont tout mimi, ils sont tout mignons, ils sont adorables, ils sont craquants quoi. Rien que les noms vous donnent l'eau à la bouche. Attendez, il y a qui? Ah oui, il y a Gélange Angelé. Ah oui, Miaoufeuille aussi. Miaoufeuille le millefeuille. Mais ça glace encore nez. Et puis bon, ah oui, j'oublie. Mais bien sûr, magie de laine la Madeleine. J'en passe et des meilleurs. Comme je vous l'ai dit, il y a tout pour vous mettre l'eau à la bouche. Et pour faire manger l'adversaire. Oh oh oh, qui a parlé de manger? Hein? Viens essayer mes objets du Millennium. Oh 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 oh. Il y en a de toutes les tailles et pour tous les goûts. Oh oh. Non mais oh, c'est pas bientôt fini, oui. Oh, et qu'est-ce que tu fous là d'abord, papy hein? Allez, bah, allez, dégage. Je passais. Je t'ai mis un espace pub juste à la fin. Alors tu me fais pas chier. Ah bon? Pardon. Oh, d'accord. Tu embêtes pas le monde et tu attends ton tour, comme tout le monde. Allez. Compris, jeune margouin. Allez les viewers, retour au duel. N'empêche que le petit papy Yugi avec ses histoires d'objets du Millennium, il m'a quand même filé écrou quoi, j'ai faim là. Ah, je crois qu'on m'appelle. Ah, oh, c'est quoi ce bordel? Allez, tire-toi là, c'est bon quoi. Attendez. C'est tellement bon que je sens que mon adversaire va manger. Voyez-vous, il m'a laissé sur le terrain qu'un gros ton à 2600 points d'attaque. Là, tout de suite, comme ça, avec les cartes que j'ai actuellement en main, je suis dans l'incapacité totale de le battre.
sachant que je n'ai aucun monstre qui ait une attaque suffisante pour le poutrer. Eh ben attendez, regardez bien. Alors, pour commencer, on va choisir Messa Glace. Hop, invocation spéciale, depuis le deck. C'est bon. Effet de Messa Glace. Lorsqu'il est invoqué qu'il y a un autre Madolch, j'ai le droit d'aller chercher une carte Madolch dans mon deck, magie ou piège, et de l'ajouter à ma main. Oh là là, il est fort ce deck, il est trop fort. Allez, je sens que ça va faire bobo là. On va y aller pour Ixiz. Et on va commencer par le dragon Lévien. Le dragon Lévien. Lévien ? Lévière ? Lévière ! Enfin bref. Super dragon de la mort. Quand on lui retire l'un de ses petits machins de cartes qu'il y a derrière lui, voilà, l'un de ses compteurs, eh bien, cela permet en fait d'augmenter son attaque de 300 points, ce qui est énorme. On va aussi activer, comme vous voyez le voir, la carte Magie Terrain qui permet à tous les Madolches de gagner 500 points d'attaque supplémentaire. Et on est reparti pour une deuxième Ixiz. Et on va sortir la super mamie de la mort, ma préférée. Et oui, la reine des reines. C'est la reine Tiramisu. Oh miam 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 miam. Et elle est super balèze. Non, je vous raconte pas. Si, je vous montre. Allez. Bon, on va d'abord faire l'effet du dragon Lévien. C'est parti. On retire un matériel et hop, on booste son attaque. Ensuite, l'effet de Reine Tiramisu. Je retire un matériel et je peux renvoyer jusqu'à deux cartes Madolch qui sont dans mon cimetière, dans mon deck. Et devinez ce qui se passe. S'active l'effet du ticket. Et oui, lorsque des cartes sont renvoyées dans mon deck, les tickets s'activent. Ah oui, j'oubliais. Quand je fais ça, j'ai le droit de renvoyer jusqu'à deux cartes sur le terrain de l'adversaire dans son deck. Dommage. Donc, je disais, effet du ticket, invocation spéciale d'un Madolch depuis le deck. Et oui, grâce à la reine, ça va être la panacée, là. Je vais lui faire la peau, le pauvre. Il a 8000 points de vie, c'est foutu. Allez, mange. Bon, les viewers, j'espère que cette petite vidéo Made in Yu-Gi-Oh! Vous aura fait plaisir. Je vous laisse avec le papy Yu-Gi pervers, et moi, je vous dis bon jeu à tous. Alors, ça vous a plu, les enfants? Eh ben, tant mieux. Non, parce que, en plus, la prochaine fois, on pourra peut-être faire un truc à plusieurs. Et ouais, il y a un mode multi. Oh, je sens qu'il y en a qui vont manger du bâtonnet.